bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high, they tickled the nether regions of heaven. Il y a bien longtemps, dans les montagnes lointaines, très lointaines. Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony. And the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Salut tout le monde, c'est Galak, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Call of Juarez Gunslinger, l'épisode numéro 4, chers galaxiens, du let's play du jeu le plus barré du moment, avec un environnement toujours aussi magnifique et qui change comme d'habitude à chaque épisode. C'est ça que j'apprécie énormément dans ce jeu, énormément de variété, vraiment il y a de tout, de la narration, c'est excellent, de l'action fun, barré, il y a vraiment tout. Dans ce jeu, il y a tout. Voilà. Après, les gens qui n'aiment pas, je peux comprendre, mais... Et je ne pouvais pas shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Danse avec les loups. Attention. Warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. J'entends les loups qui font wouh. Alors méfiance quand même. Regardez-moi ça. Que c'est beau. Que c'est beau. Pour un jeu téléchargeable, c'est magnifique. Les oiseaux. On peut pas les tuer. Ok. Pas grave. Alors, on va aller faire un tour. Trouver la tanière des renégats. Ok, donc on va faire un tour là-bas. Est-ce qu'on peut traverser par là? Je ne pense pas. Mais en tout cas, cet environnement est magnifique. Hein, vraiment. Il n'y a rien à dire. Je pense que c'est peut-être l'un des environnements, voire l'environnement. Pour l'instant, le plus beau qu'on ait pu visiter. Regardez ça avec l'eau, le pont et tout. Ah, c'est vraiment sublime. My God! My God! Attention! On va se planquer, faut se planquer! Je suis mort! Ça commence bien. L'épisode commence très très bien. Non, on reprend cette fois-ci parce qu'en fait j'ai pas togé dans la soupe. Et ce qu'il y a, c'est que vu que le jeu nous met directement dans l'action totale, on n'est pas habitué en fait. Donc on va essayer de s'y remettre complètement et de ne pas se louper, les amis. Oui, hop, on évite, attention, hop, droite. Ah, je préfère ça déjà. Déjà, ça va mieux. Quand on sait où ils sont, ça va mieux, on n'est pas désorienté, donc du coup, on tire à peu près précisément. Hop, voilà. Il n'y a pas quelqu'un là? Ah, je croyais qu'il y avait un baril. Bah, pas du tout, d'accord. Rencontre avec les renégats, les amis, c'est chaud. On va danser avec eux. C'est pas danser avec les loups, c'est danser avec les renégats. Alors, canoncier. Non. J'entends des renégats. Non, je te tue. Je te tue corps à corps. Attention, oulala, oulala, ça va être chaud là par contre, eux parce qu'ils attaquent au corps à corps. Alors attention, on va devoir se méfier grandement. Non, ils sont où? Ils sont où? Non. Esquive, gauche. Oui, joli. Attention derrière. Je te tue. Attention, on s'en va. Oh, c'est pas évident là, c'est vraiment chaud. Allez, un petit secret, un petit chapeau. Voilà, secret trouvé, Indien d'Amérique, ok. Alors là, c'est un petit peu les cow-boys et les indiens. Ça va être compliqué, c'est la petite guéguerre. Chaud. Alors là, attention. On va tout recharger. On se prépare psychologiquement et physiquement. On est reparti. Ouh là là. C'est bon, recharge bien, surtout, c'est très important. Donc là, on est bien. Par contre, je prends les revolvers. Ok, lui il y est. Ouh, c'est évident. Un petit peu moins de narration, j'ai l'impression, dans cet épisode. C'est appréciable aussi. Il suffit que je dise. Oh là là, il y a du monde. Je suis bloqué parfois par des objets du décor. C'est pas évident. Hop! Voilà, plus 50, magnifique. Je lui fais 50 de dégâts. Autrement dit, il est mort. Ok, magnifique. Alors là, attention, on se méfie parce que là, on est vraiment dans un environnement superbe, mais pas très accueillant hein, pour autant. Hein. Attention. Ouh là là.
Ils sont où? Voilà, headshot. Joli. Ok, là on est bien, on continue. Donc vraiment c'est un gameplay qui est très très souple, hein. Je pense que tout le monde peut jouer à ce jeu et prendre du plaisir, vraiment s'adapter à tous. Et je trouve que voilà, c'était déjà un très très bon point parce qu'il y a des FPS qui sont plusieurs à jouer que d'autres et celui-ci est vraiment très accessible. Il n'y a pas de problème. Je dirais même, il va pas à la facilité non plus parce qu'il faut quand même bon, jouer correctement, avoir déjà touché à une manette ou à un clavier souris pour ceux qui jouent au clavier souris. Mais sinon il y a un défaut, c'est que j'arrive pas à monter. Alors où c'est qu'on monte? Attendez. Ah, c'est tout simplement parce qu'il fallait pas monter, Coco. Voilà pourquoi on ne pouvait pas monter. Parce qu'il ne faut pas monter. Hop. Voilà, tir à longue portée, foudroyé. Magnifique, lui je le voulais parce qu'en plus on gagne plus de points quand par exemple ils sont en pleine course, ou alors quand ils bougent, ou alors quand ils sont loin. Donc c'est quand même... Voilà, on est bien. Ok, on continue. Attention, on a vu. Voilà, niveau supérieur. Magnifique. On va ouvrir le menu compétences. Alors c'est vrai que ces points de compétences sont quand même un moyen, bon très très simple, c'est un arbre de compétences assez classique on va dire, répertorié en trois parties, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même bien important dans un jeu comme ça en plus, c'est vraiment bien fichu. Alors... celui-là, qu'est-ce que c'est? Sans répirant, je rechargement rapide des fusils pour... non, on va pas prendre ça, on va regarder. Du côté du trappeur, résistance au combat rapproché sans être à l'épreuve des balles, vous devenez plus résistant en moyenne d'une balle sur 4 d'une arme courte ricoche sans vous faire mal. Pas mal ça. Charge carabine plus compacte, on va prendre ça, voilà, parce que si on peut résister aux balles lorsque les ennemis sont proches, c'est tant mieux. Allez, alors là, attention, je passe en mode double. En mode akimbo. Alors là, attention. Alors, c'est magnifique. Fouiller les grottes et trouver Grey Wolf. D'accord. Tu veux que je trouve un loup? Ok. Alors, faut aller où, juste? Faut aller là. On va devoir fouiller les grottes. On va chercher un loup. Le loup gris. Donc, attention. Concentration. J'espère qu'on va pas se... Ah. Oh, putain. Il me semblait que j'avais vu que... Voilà, en pleine tête. Attention, on se cache derrière la sorte de caillou là, de plateforme. Ah, il n'y a pas une ombre là. Je crois qu'il y avait une ombre. Ok, donc là on est bien. On va là, on va chercher le loup ici. Oh, il y a du monde là. On a pas une petite dynamite ici. Dynamite. C'est parti. Boum, plus 150, plus 100. Donc à mon avis, on a fait vraiment du dégât là. Alors, il reste du monde, oui, ils sont là-bas. Tu vas me dire qu'il est trop loin? Je suis en plein dedans. Voilà, je préfère. J'étais en plein dedans avec le viseur et il voulait pas le tuer. Bon, si tu veux. Ah, il y a des secrets ici. Oh, c'est des munitions ça, non? Attendez, on va faire un petit tour. Ouais, c'est des munitions. Le petit chapeau, secret. Qu'est-ce qu'on a? 2 sur 4, Grey Wolf. Carabine. Non, écoutez, on est bien avec le fusil. Moi, je suis à l'aise avec celui-là. Par contre, le 6 coups, bah écoutez, je vais prendre le Ranger quand même. Je vais prendre le Ranger parce qu'il est plus classe, il est plus puissant aussi, je crois. Donc, attention, on prend sa petite munition. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des endroits quand même où il y a vraiment beaucoup de coffres, beaucoup de munitions. Mais il faut les trouver, hein, ces endroits aussi. Hein. D'accord. En tout cas, c'est des renégats, attention. Oh, bijou, on se calme. Voilà, headshot. Voilà, plus 120, c'est du lourd, multiplicateur de combo. Là, on est vraiment bien. Je commence à un petit peu vraiment connaître le jeu. Mon Dieu, quel rayon de lumière, magnifique. Allez, on y va. Ah, Y, réflexe, joli ça. Très très joli. B, X, Y, X. Oh, quel moment réflexe. Donc pour ceux qui penseraient que c'est manuel, non, ça ne se fait pas du tout manuellement, c'est vraiment quelque chose qui se fait, oulala, automatiquement, hein, sinon je ne serais pas aussi fort, pardon.
Ces renégats sont un petit peu bêtes parce qu'ils me foncent dessus, mais ils savent très bien que je vais les tuer. L'eau est assez bien fichu aussi. Bon, quoique un petit peu trop en mouvement. Mais bon. C'est pas si mal que ça. Oh, calmos, hein. Tu crois quoi? Hop, voilà, attention, on recharge, on se met à couvert. Voilà, il nous reste beaucoup de munitions de fusil en plus, donc on est vraiment pas à court, quoi. Allez, c'est tout bon. J'adore les effets de lumière. A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Religion is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Attention les amis, on est parti, on tire dessus. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there were definitely snakes. Alors là, franchement, c'est super chaud. Fallait éliminer le plus d'adversaires possible, mais je peux vous garantir que c'est pas évident. Alors attention. Attention, ils sont tous autour. Ils sont tous autour. Mon dieu. My god. Ils sont tous autour. Chaud. Alors attendez, avant, on va prendre l'amélioration. On va le prendre dans les rangers du coup. Donc là, on va choisir rechargement rapide des fusils. Ouais, je vais prendre ça. Ça peut beaucoup m'aider parce que c'est vrai qu'on recharge souvent. Surtout moi. Voilà, on recharge, faites voir. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide, oui. Enfin, pas vraiment beaucoup, mais un petit peu plus. Ah, putain, tu m'énerves, toi. Comment tirer à côté? Couldn't see any way out of this trap, but suddenly one just appeared, kind of like a mirror. What? C'est carrément du fantastique, quoi. Il nous crée un escalier, magnifique. C'est complètement assumé ce côté barré. Je vais te trouver, Grey Wolf. Tu vas voir. Tu vas comprendre ta douleur. Je te trouverai. Non, je me suis trompé. Esquive. J'ai loupé la séquence réflexe. C'est pas grave. On continue. Mon dieu. Ouf, c'est bon. Allez, en tout cas c'est magnifique ici. On repart en extérieur. Ouh là là. Je vais t'avoir. D'accord, on peut pas le toucher d'ici. Ah non! Non, je suis mort, je voulais traverser avec l'arbre. Mais j'ai pas pu. Mon dieu. Alors là, à chaud alors. C'est bon. Allez, sérieusement, on y va. Il est où? Il est en haut. Ah, il a une garde perso en plus. L'effet de lumière qui tue. L'effet de lumière qui tue. Hop, foudroyé. C'est bon? Allez, on monte. C'est où qu'il faut monter? Je crois que c'était là. Ouais, allez, on se débrouille pour monter comme on peut. Oh, c'est chaud, quoi.
Putain. Eh, hey, tu voulais pas prendre ta balle, toi, hein. Tu la voulais pas. Nom de Dieu. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. D'accord. Alors là, les amis, ça sent l'entourloupe à plein nez. You know it. That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches. Oh, quelle séquence réflexe magnifique. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Oh là, mon Dieu! Il me court après! My God, ils sont les suivants! Mon Dieu! Mon Dieu! Faut tourner tout autour! Ok, d'accord, on va les tuer au corps à corps. Attention. Hop, t'es mort. Alors là, vraiment, c'est que... On va tourner la caméra à mort. Ouais. Attention, il y en a un là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, les amis. Oh là là. Oulala, je me fais. Oulala. Oulala, oulala, oulala. Oulala, attention. Vite, droite. Alors si je m'en sors. Ouais. De Dieu. Ah d'accord. Voilà. De Dieu. Magnifique. Appréhender Grey Wolf. Oh mon Dieu. D'accord, et en plus il se transforme en loup comme ça, lui. Ok. C'est quand même bizarre. Bien joué, XP total, 80 230, 97 ennemis tués, précision 55%, toujours le fusil en arme favorite. C'est vrai que j'adore cette arme. Pépite de vérité 2 sur 4, je vous propose qu'on continue ce let's play, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'adore. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem, might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did. Mm-hmm. En plus, une référence au Dalton. Énormissime. Ok, on l'appelle chasseur. Alors attention là, vu l'image qu'on a de ce chapitre numéro 6, ce qu'il y a drôle, c'est que j'ai l'impression que ça va encore changer vraiment au niveau de l'environnement. Donc j'ai hâte de voir ça. Allez, on continue. On va retourner en ville, non? Peut-être. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith. And he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Éliminer les braqueurs de la banque. C'est parti. Oh, attention, ça va sécher. Boum, t'es mort. Attention, on se met de côté. Allez, entrez dans la banque, c'est parti, let's go. Enfoncez la porte.
on va appréhender les Dalton. Vous vous rendez compte un peu? C'est énormissime. Enfoncez la porte. Pardon, messieurs. The brothers pay dearly for their stupidity. But everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. Ah bon? First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. Everyone make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait to suck the bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. Ah, une échelle, comme par magie. Allez, derrière la banque, c'est parti, on descend. On va les prendre par surprise. Je suis bronzé en plus. C'est parti. My god. Allez, on y va tout de suite. Je suis avec mes rangers. Faut aller où, Coco? Surprendre les Dalton. D'accord, on monte. A water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. On va entrer par le toit pour surprendre les Dalton. Allez, c'est parti. Alors. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. C'est bon. Alors là, attention les cocos. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec moi. N'importe kawak. Ok, ce qu'il faut faire alors. D'accord, faut passer par là. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à tirer sur mes copains, j'avais envie. Allez, c'est parti. Mon petit canapé. Ah bah voilà. Allez, RP. Voilà. Impeccable. Carabine à canon scié. Alors là, mon coco. Carabine à canon scié, pas mal. Écoutez, on va prendre ça. Alors là, attention. Qu'est-ce qu'on a donc? On a ça et on a ça. Ah d'accord, mais on a le fusil. Ah non, mais écoutez, mais moi je veux mes pistolets quand même. J'ai besoin de mes pistolets. Je ne peux pas faire sans mes pistolets. Ils sont mes pistolets. Alors par contre, ils m'ont piqué mes pistolets. Ils sont là, non? Ah c'est énervant parce que je retrouve plus mes pistolets. Attendez, on va essayer de les reprendre quand même. C'est bien. Eh, pistolet! Ah, par contre, je ne retrouve plus mes pistolets, je suis désolé, les gars. Ranger, ils sont là, non? Ouais, voilà. Hop, ah, j'ai mes deux pistolets. Mais là, par contre, je voudrais bien le canon scié. Je peux pas avoir le canon scié? Carabine à canon scié. Ah non, d'accord, on peut pas. Ok. J'en ai à prendre une bombe. Ok, bah on va rester comme ça, alors. Parce que moi, je ne veux pas changer. Sûrement pas. Carabine à canon scié, non, il me faut mes flingues. Allez, on est parti. Vous voyez pourquoi il me faut mes flingues? Par contre, oui, je veux bien changer avec les quick shooters, qui sont aussi quand même très très bons. Allez, on y va. Hop, magnifique. On continue, attention, toujours aussi, hop, dynamique. En pleine tête, headshot. Hop, toi aussi, en pleine action, c'est excellent. Alors attention, il y a de la fumée dans les quick shots. Alors, prendre secret. Ouais, je veux bien. Alors, faut aller où? Faut aller là, je suppose. Ouvrir. Boum. Non mais oh, tu croyais quoi? Alors attendez, on va maintenir et on va améliorer encore une fois notre personnage. Alors attention, on va aller dans Desperado. Qu'est-ce qu'on a? Mode de revolver. Akimbo. Un revolver dans chaque main lors de l'avant-lancer, d'accord. Agilité augmentée en concentration. Vos réflexes sont fulgurants et vous dépassez et courez 50% plus vite en concentration. On va prendre ça.
Je le veux bien. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'améliorations, hein, mine de rien. Donc bon, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Mais je pense que c'est surtout, par exemple, si on prend qu'une seule catégorie, que peut-être, bah écoutez, on aura tout à fond. Sinon, ça m'étonnerait qu'on ait tout à fond. Si déjà, on a déjà les 5 cartouches pour le premier dans chaque catégorie, ce sera déjà bien. Voilà. Mais je pense qu'on peut, hein. Allez, go, c'est parti, RB. J'ai mal géré. Hop. Appréhender les Dalton. C'est parti. RB. His name was Silas Greaves. And when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Vous me cassez les, hein? It was early evening, not high noon. Approcher de la banque et empêcher les Dalton de fuir. D'accord, donc en fait, il y a eu 3 versions dans cet épisode. C'est énorme. Was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Ressemblance avec leur cousin est purement fortuite, les frères Dalton. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Or là, attention les amis. Finally, they did. Concentration et maître mot dans ce genre de situation. Voilà, headshot. J'attendais juste que tu pointes ton nez. Ok, donc jusque là tout va bien. Attention, concentration. Vas-y, pointe ton nez. Pointe ton nez. Je l'ai loupé, super, ça commence bien. Voilà, headshot. Dans le pif. Ok, donc jusque là ça va. Oh, les effets de lumière, ils tuent quoi. Donc là on est revenu dans la ville de départ je crois. Faire un petit tour, c'est magnifique, c'est l'automne en plus. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Non, je suis loupé de touche. Et gauche. Attention, je me suis trompé, là, en plus. Aïe, 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 je me suis gouré. J'aurais pas dû me tromper. Ouh là là là, ouh là là. Je ne vois plus rien, je ne vois plus rien, en fait. Je ne vois... Ouh là là. Attendez, j'ai du mal là à me remettre dans le truc. On respire, s'il vous plaît. Trop d'action, tue l'action. Voilà, là on est bon. Suivant. Voilà. C'est tout bon, jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, par contre il y en avait un sur le côté, non? Ouais. Voilà, headshot, c'est magnifique. Celui-là il est beau. Celui-là il est pas moche quand même. Allez, ok, on continue. J'entendais le chien par contre. Empêcher Dalton de prendre la fuite. Ils sont où? Ils doivent être là-bas. Hop, sang, attention. Oh, l'effet de lumière orange. Il est tueur. Hop, dégagez tout le monde. Boum, dernier souffle. Attention, oulala, je suis mal là. On reste là, tranquillement. On retient son souffle. Et écoutez, non, non, là, qu'est-ce que je mets ça, moi, là? Qu'est-ce que je fais ça, là? Je vais me faire péter par ma dynamite, je me suis trompé de touche. Autant pour moi. Allez, hop, faites-moi ça. Boum, à travers la baraque. Et ouais, c'est ça la classe. T'as la classe ou tu l'as pas. Alors, ensuite. D'accord, donc on va plutôt entrer par la porte. S'il y a une porte, on va dire que c'est plus courtois. Voilà, en pleine tête, magnifique. Alors ensuite, on monte un petit peu. Je suppose qu'il y aura du monde là-dedans. À mon avis, il devrait y avoir du monde là-dedans. À mon avis, ouais. Maintenir. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, pas grand-chose, j'ai l'impression. Ok, alors je sais pas pourquoi je suis venu là, parce qu'il n'y a rien du tout. Attendez, vous allez me dire qu'ils me font des pièces dans une baraque et qu'il n'y a rien du tout. Ah si, il y avait des petites munitions, mais sinon... C'est vrai qu'à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Dans la baignoire, il n'y a rien. D'accord. Ok, si tu veux. Ok, bon, on y va. Écoute.
Ok, faut aller où au juste? Là-bas. Ok, on continue. Ah, mais c'était peut-être pour passer de l'autre côté, d'accord. Alors attendez. Ouais, d'accord. Un passage de l'autre côté. Voilà, j'ai compris. Et on y va. But they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Non! C'est pas vrai. Pourtant j'étais bien caché, les deux rondins sont bien passés, et pas le troisième. Ok, écoutez, on va se foutre là. Vous pensez que c'est bien ou pas ici? Non, c'est pas bon. D'accord, faut vraiment se planquer alors. Ok, on va trouver une autre petite cachette, mon coco. Alors, où ça? Ici, non? Ça me paraît bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, on va rester là. Oh, ça vole quand même. Hein. C'est chaud, ça passe pas loin. Hein. Wouh! My God. C'est bon? Ouais, on y va. Dieu, c'est qu'ils balancent leur rondin, là. On n'y comprend rien, quoi. Allez, monte vite. Oh, mais les effets de lumière. Oh, mon Dieu. Alors, bah écoutez, fallait là. Qu'est-ce qui se passe? Emmett Dalton. Oh, lui il est chaud, hein. Oh mon Dieu. D'accord, en plus il... Oh là là, il est puissant. Putain, il est vachement puissant le mec. Hein. Oh là là. Alors là, attention Coco. Hein. Heureusement que j'ai les armes qu'il faut. Hein. On va lui tourner un petit peu autour. Hop, attention, là on y va. Ce qu'on va faire. On va là-bas. Hop, on lui tourne vraiment autour. Hein. C'est ce que je veux faire. Attention. L'appareil maintenant, on recharge tout, on change de plateforme. Je pense vraiment que c'est la meilleure tactique à adopter. Attention. Là, hop, on change de plateforme. On va même aller plus loin. Tiens, on va aller là. Oh, sinon, il n'y a rien de dur. Hein. Juste un petit peu toutes mes munitions. Headshot, headshot, headshot. Putain, je lui fais combien de headshots là? Ok, on le finit, les gars? On le finit? Allez. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Non, non, meurs pas tout de suite, Galax. C'est plus une munition en plus. Voilà. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Intéressant. Bien joué, encore une fois. XP total, 92 955, 255, pardon. Ennemi tué 49, précision 76%. C'était pas si mal. Je m'en suis assez bien sorti. Allez, on continue, les amis, ce magnifique Let's Play. On continue à l'appeler chasseur. Suite du chapitre, donc. Donc, assez intéressant. Encore une fois, des environnements complètement magnifiques, majestueux. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de jeu, oui je sais, je continue avec mes typiquement, c'est typiquement le genre de jeu avec lequel je pourrais m'amuser encore si je le refaisais une deuxième fois, à contrario de certains jeux que je ne referais pas. Et bah celui-là, je le referais avec un grand plaisir. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. D'accord. Alors là, attention. Est-ce qu'on doit les tuer? Est-ce qu'on fait pas de bruit? Est-ce qu'on reste en mode infiltration? Je ne sais pas. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Oh là là. Les effets de lumière, quoi. Magnifique. Majestueux. Eh, hey, écoute, c'est mon armée, hein. On va pas les tuer. On avance. C'est magnifique, quoi. Alors, c'est vrai que, à part le FOV et l'affichage du jeu, c'est super beau, quoi. Le style graphique, j'adhère complètement. Oula, attention, non, je veux pas tirer là-dedans. Sinon, je suis mal barré. Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course. So we kept an eye out for landmarks.
D'accord, donc ils mettent des draps rouges histoire de se repérer, savoir où ils vont, un petit peu comme les cailloux pour le petit pousset. Un petit exemple que tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit aller où? Alors, trouver les Dalton dans la ville inondée. C'est où exactement? J'ai pas vu le... D'accord. Ah d'accord, faut les trouver, donc du coup, c'est pas annoncé. C'est quoi, c'est des... on peut pas y aller? Non, du tout. Ok. Ah, on nous laisse un petit peu de liberté, sans trop de narration, ça fait plaisir. T'es sérieux là? What the fuck quoi? C'est énorme. Le brouillard et les marais perturbent votre orientation. Indicateur de repère désactivé pour cette mission. D'accord. Ah ça c'est bien en plus, on va le faire sans GPS. Donc attention. Je crois que c'est un passage du jeu qui avait été fait en Gaming Life par jeuxvideo.com d'ailleurs. Donc je crois que je l'avais vu, il me semble, ce passage. Alors d'accord, là, faut se repérer avec les trucs rouges en fait, ok. D'accord, on n'a pas du tout d'indicateur. Chaud. C'est pas où il faut aller. Y. Réflexe. Voilà. Hop, tir perforant. Boum, en pleine tête. Donc on se repère un petit peu avec les tissus rouges qui sont posés sur les arbres. Donc on a quand même une... Bon, ça, c'est pas un GPS, on a quand même les indications à suivre, quoi, donc ça va. Alors, faut aller dans la baraque, non? Ouais, exact, c'est ça. Faut transpercer la baraque. Oula, attention. Boum. Voilà. Ça a fait bim. Ça a fait boum. Aïe, attention. Je me fais toucher dans tous les sens. Pas de jeu de mots. Hein. C'est bon, là? Je préfère. Voilà. On continue. Alors, Ranger Gravé. Ah, intéressant. On va prendre le Ranger Gravé. Je suppose que ça remplace ça, ouais. Alors, c'est forcément plus puissant. Oh putain, une dynamite? J'avais pas vu. De Dieu. Et c'est quoi ça? Carabine. On va changer, tiens, on va prendre la carabine pour changer un petit peu. Ça fait quelques épisodes qu'on est avec le fusil, donc autant varier un poil, quoi. Oula. Oula, je suis chaud là. Attention, il y a des mondes là, il y a des mondes vite. Par. C'est bon, on se calme. Chaud patate là. Chaud patate. Oula, il y a du monde. Oula, il y a du monde. Nom de Dieu. C'est quoi tout ce monde? Eh les mecs, on se calme? D'accord, donc je pense pas que c'est le bon endroit pour aller. Vous savez quoi? Petite dynamite dans leur tronche, ça va pas leur faire de mal. Hop, vas-y, j'espère que je vais en toucher un ou deux. Hop, j'en ai tué un, apparemment, un ou deux même. Oh là là, on va reprendre le fusil, il m'allait mieux, moi je vous le dis, je suis assez, on va dire, cantonné à mes armes, mais s'ils sont mieux, je prends ce qui est mieux, parce que le fusil vise de plus loin, j'ai l'impression, donc écoutez, normalement dans la réalité c'est l'inverse, mais bon. Regardez ça, il va mieux, c'est mieux qu'une carabine ça. Voilà. Non mais oh. Voilà. Je me méfie quand même. Il peut y avoir du monde qui sort de n'importe où. Donc là pour l'instant ça va. C'était quoi ça? Six shoot, non. Boum, en pleine course. Boum, en pleine tête. J'adore. Boum. Boum. Ça fait bing bang. Donc jusque là tout va bien, je m'en sors pas trop mal, on peut aller dans la maison. Hop. Ok. J'adore ce fusil, c'est vrai que c'est une arme que j'apprécie dans le jeu. En plus elle vise d'assez loin, il n'y a pas de souci, le viseur est pas mal. Donc moi j'adore cette arme. Ok, alors là on a le ruban rouge, le tissu rouge. Magnifique. Ah là là, je vous jure, ce jeu est complètement fantastique. Dans tous les sens du terme.
but just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. Oui, en pleine course. J'aurais pu avoir les deux en pleine course. Ça s'appelle du tir au pigeon. Il est où? J'entends ronfler. C'est normal. C'est qui ronfle? J'entends ronfler. C'est bizarre. Ok. Steve. Non, je suis listening. Indians surrounded me from all sides. Des Indiens m'entourent de toutes parts. C'est-à-dire, de toutes parts. D'accord. Indians? There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Eh ben dis donc, beaucoup de narration dans ce jeu, donc peu de place pour mes paroles, pour mes dialogues. Bon, il faut dire que j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment un jeu qui se joue, hein. Franchement, je vous conseille d'y jouer si vous appréciez les jeux d'action, parce qu'il est vraiment exceptionnel. B, X, B, en pleine course. So did you ever find the damn Daltons? Yeah, but I did find a few of their cousins. You can breed like rabbits. Attention, on s'écarte. J'ai perdu un petit peu de vie, donc c'est chaud. Attention, dynamite, on s'écarte, on s'enjaille. Hop, on y va. Je recharge tout. Ok, suivant. Ok, je l'ai vu. Impeccable. Bon, bah jusque là tout va bien. Sauf maintenant. Voilà. Alors, il est où le suivant? C'est tout. Je me demande combien on tue de personnes dans le jeu. D'accord. On se cache derrière la petite tombe. A chat. Voilà, attention. Le brouillard est magnifique, la fumée est très bien faite. Vraiment, tous les éléments graphiques sont exceptionnels. Traverser les marais et trouver les Dalton. Je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais oublié, au passage. Faut savoir une chose, c'est que jamais 203. Eh oui, oui. Allez, encore un ruban rouge, donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. On continue. Les marais sont quand même assez vastes. Hein. On récupère les petites munitions. Zut. Ok. Ensuite. Oh oui. Ah non, je croyais que je l'avais eu. Là, je l'ai eu. Cache-toi, mon coco. Là, on est mal. J'avais pas vu celui-là. Il n'y a pas des trucs là-bas? Attendez, on va les tirer dessus. Comme ça, on fait exploser, ça rapporte des points. Voilà, on est bon. Hop, on continue. Ça tire. Oh là, le carabineur là. Il m'avait bien touché, ce petit homme foiré. Allez, c'est bon, on y va. Alors, faut aller où au juste? Toujours tout droit.
comme dirait Dory dans le monde de Nemo. A goddamn steamboat. A steamboat? In a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of 89. Now, was it a sternwheeler or a sidewheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was in the fuselage of bullets come raining down from on high. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting, I thought I saw some familiar faces. Attention, alors là on a une amélioration, on va la prendre. Alors on va aller faire un petit tour du côté du longue distance, vu que là on est quand même loin des ennemis. Rechargement rapide des fusils, on a déjà eu. Martelé pour recharger plus vite. Martelé, vous jonglez avec des balles. Martelé à la touche X le plus vite possible quand vous rechargez pour chambrer les munitions plus rapidement. Cette compétence ne s'applique pas au rechargement par brisure de canon. D'accord, celui-là, indication sur les pépites de vérité, non, ça je m'en fous un petit peu, c'est juste les bonus et les objets annexes. On va prendre ça. Hop, arme légendaire déverrouillée, 6 coups incrustés. Yeah, impeccable ça. Alors, on peut l'acheter, non? Ah non, faut juste le... Bah si, je pense que oui. Cadence plus 30%, vitesse de visée plus 15%. D'accord, super, je suis content. Alors, pour recharger, on va pouvoir faire plusieurs fois X, donc ça c'est plutôt sympathique aussi. Voilà. Alors, ah là, là on peut recharger plus vite en appuyant plusieurs fois sur X. C'est quand même assez bien fichu, moi je trouve. Sympathique. Allez, on prend les deux revolvers, les deux 6 coups du... Ok. Alors, ah, il y a un petit secret là, non? Carabine à canon scié, j'aime pas. J'aime pas du tout. Allez, on continue. Ah, par contre, on avait si, attendez, on avait quelque chose. Ranger gravé. Quick shooter, donc nous on va rester avec ça. Hein? Allez, là on recharge plus vite. Ah oui, on recharge énormément plus vite. Ah, c'est énorme. Ah, comme on recharge. On recharge vraiment plus vite. Hein. Alors là, là c'est clair. Voilà. Regardez-moi ça, comme on recharge plus vite. Hatchat. Voilà. Oh, ça recharge beaucoup plus vite. Je suis content d'avoir eu cette amélioration. C'est quand même sympathique. Alors. Oula, bijou. J'ai tiré à moitié à côté, c'est pas grave. Ensuite, c'est tout. Utilisé. On va descendre. Ah, c'est chaud, il y a vraiment beaucoup d'action. Il se passe beaucoup de choses dans ce jeu. Il est super intéressant, quoi. Bien fichu. Alors, on prend les munitions. Qu'est-ce qu'on a là? Rien de spécial, ok. Donc là, on est revenu, je crois. Ouais, d'accord, sur un niveau supérieur. Un étage supérieur, du moins. Ok. Continue, on peut pas passer. Ah, par contre, on peut traverser. Ok. On traverse. Hop, il n'y a rien de spécial? Non. Oula! Much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Merci, monsieur, de m'indiquer où sont les grands Dalton. C'est parti. But it turned out that they had me. Take him out! Non. I'm sending you to hell! C'est pas vrai. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a fight. Do you think about the ship that's gonna launch next year? Largest one in the world? We're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it's so anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh, God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow, I managed to finally disembark.
I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. Oh oui, ça c'est bon. Attention, on est parti. Allez, à la Gatling. Alors là, par contre, je me fais plaisir, les gars. Vous pouvez pas savoir comment. Allez, petite séquence de rail shoot. Oh mon dieu, que c'est bon. Alors là. Alors là. C'est du grand jeu, ça. Vas-y, pète de partout. Magnifique. En pleine tête. Oh mon dieu. C'est énorme. Magnifique. Bob and Grad weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Puis tout le monde, en plus il y a deux mecs là. T'es pas sérieux quoi. Comment on va faire avec les deux? Non, d'accord. Ouh là là. Faut gérer les deux. Alors vous savez quoi? Ça vous dirait que pour une fois on fasse à la déloyale? Moi je pense que ce serait sympa. Alors attendez, on va viser lui avant. On va viser lui avant parce que j'ai l'impression que c'est lui qui vise le plus vite. Donc on vise lui d'abord et après celui qui est le plus près. Allez, à la loyale. Non. Non, elle m'a tué. D'accord. Ok, alors à mon avis, il faut le faire à la déloyale. Je pense que ce serait bien. Allez, on est parti, on va. Donc faut le pointer sur lui avant, ok. Je vois. Oh là là, c'est pas évident là, les amis. C'est vrai que les duels comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Allez, concentration. Alors, on va le faire à la déloyale. Pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. C'est parti. Voilà. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. Et voilà, bien joué, XP total 111 000, 420, niveau suivant 112 000, ennemi tué 99, victoire à la déloyale des frères Dalton, mais au moins je les aurais tués. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 4 du Let's Play 2. Écoutez, de ce jeu, de ce Call of Juarez Gunslinger, en tout cas les amis, portez-vous bien, et on se retrouvera pour encore plus de fusillades dans le 5ème épisode. En tout cas, portez-vous bien, et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien, encore une fois, et à la prochaine. Salut tout le monde.